Alors aujourd'hui, nous allons gravir les sommets de la gourmandise avec le célèbre Mont Blanc. Cet excellent gâteau nous est proposé aujourd'hui par l'un des grands spécialistes de la pâtisserie végétale. J'ai nommé Jérôme Raffaelli ici présent. Et Adeline a été la première à dégainer pour pouvoir participer à l'atelier. La prochaine fois, ça sera vous. Mais en attendant, ensemble, pâtissons. La première étape de ta recette, c'est la crème. Absolument. Donc, dans la crème, il faut penser à faire infuser ces gousses de vanille. Faut déjà les retrouver. La veille, hein, t'as dit. La veille, 24 heures à l'avance, c'est parfait. Et ensuite, donc, une fois que ça a bien infusé, avant de faire cuire la crème, on va gratter les gousses pour pouvoir récupérer toute la pulpe qui est à l'intérieur. Alors ensuite, il faut mélanger donc, sa fécule de maïs, son agar-agar et son sucre. À quoi ça sert l'agar-agar ? L'agar-agar, ça va servir à donner une texture à la crème, puisqu'en fait, c'est un gélifiant. Il faut l'utiliser en très petite quantité, mais qui va donc te donner une belle onctuosité sur ta crème. La crème est au frais. On passe maintenant à quoi ? On passe au sablé. Qu'on va faire au batteur, hein. on va se faciliter la tâche. Exactement. Qu'est-ce qui est important de savoir là concernant les farines sans gluten, l'équilibre, comment les marier ou lesquelles utiliser? Alors en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'une farine sans gluten, elle ne s'utilise jamais toute seule. Il faut l'associer au moins à une autre farine. Et on distingue toujours farine sèche et farine humide. La châtaigne, c'est celle qui est humide. Et bien évidemment, le riz, c'est celle qui est sèche. Donc, petite technique pour abaisser la pâte sans que ça colle et de manière rapide et efficace. Et sans que tu rajoutes de la farine. On utilise deux papiers sulfurisés. Et puis là, on va partir sur une épaisseur de 3 mm. Et voilà, ensuite c'est aussi simple que ça. Et comment tu fais pour que ça soit pas trop sucré? Alors, en fait, je fais un mélange de crème de marron et de pâte de marron, ce qui va avoir pour effet eh bien, d'être sur un mélange moins sucré que simplement la crème de marron qui en fait une confiture. La pâte de marron, elle, c'est de la châtaigne broyée, donc c'est pour ça qu'on sera sur quelque chose de moins sucré. Adeline, cette recette, tu vas la refaire? Oui, oui, c'est sûr. Et puis, je pense que je vais me lancer le défi de refaire aussi bien les spaghettis. Tu vas l'acheter une poche à douille. Exactement. Jérôme, merci beaucoup pour cette très belle recette en pâtisserie végétale. Donc, il n'y a pas d'œufs, de beurre. Et ça donne ce merveilleux gâteau. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On vous embrasse et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.